j'ai adoré. J'ai adoré, je reviendrai, je vais en faire la publicité, c'est génial. Voilà. Alors, le Festival des Jeunes Juifs, je le pratique depuis qu'il existe. Donc, tout me plaît dans le Festival des Jeunes Juifs. Ah, moi j'adore. C'est super. C'était inespéré pour moi, pour Jeando. Je suis extraordinairement heureux quand je viens là de voir comment ça s'est développé, comment c'est arrivé à ça, qu'est-ce qui se passe, comment est-il possible qu'il y ait un tel public aussi enthousiaste, aussi bien, quoi. Ça m'enchante, ça me remplit de bonheur. Le principe en fait de Jeando réside dans celui-ci. On a un invité qui va entre guillemets parrainer un petit peu le festival, il fait l'ouverture, c'est le fil rouge du festival, et qui permet d'attirer un public, et ensuite nous dans la semaine ce sont des découvertes. Ce qui nous a marqué, c'est d'entrer une fréquentation qui a vraiment progressé dès le départ là, cette année. Alors Jeando, c'est quand même à part. C'est quand même le coup de cœur parce que déjà il y a un vrai partage, il y a un échange, c'est des vrais amoureux du cinéma, il y a 1000 personnes tous les soirs. On a beaucoup tourné quand même en festival, on n'a jamais vu ça. Bah, je comprends pourquoi je fais du cinéma en fait. C'est aussi pour ces moments-là qui sont magiques. Il est facile de parler au réalisateur, il est facile, et ça c'est quand même assez précieux. Parce que c'est pas facile aujourd'hui de casser. Voilà, par exemple, Luc Dardenne est là, les gens peuvent lui parler, c'est quand même incroyable. Voilà, je trouve formidable que vous ayez dans le public ici des générations différentes, entre 80 et 8 ans, quoi. C'est vraiment vrai. Il y a des jeunes là qui sont là, et ça c'est bien. Je trouve que ce n'est pas seulement un public de gens cinéphiliques, cinéphiles, avertis. Il y a aussi des gens qui découvrent le cinéma, et ça c'est bien. Ce sont des gens, en fait, qui nous intéressent dans leur démarche de cinéma. C'est un cinéma qui laisse la place au spectateur d'avoir son propre libre arbitre, et ça, je crois que ça c'est important. Le festival attire de plus en plus de monde, hein. Malgré tout ça reste un petit village. On est confronté aussi à des baisses d'aide, et en même temps nous avons des frais de plus en plus importants. Donc là, des problèmes vont surgir, vraiment des problèmes vont surgir. En fait, là c'est vraiment une alerte que je donne. Et voilà, c'est hyper important des festivals comme ça, et ça fait partie aussi des choses vitales dans une société, quoi. Bon, oui, ça c'est sûr qu'il faut que les ministères de la culture aident ce genre de festival, ça c'est certain. Parce que c'est non seulement un lieu d'apprentissage du cinéma, mais c'est aussi, je trouve, une manière de construire des liens sociaux, des liens d'amitié qui perdurent.